Bonjour à tous les amis et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur Rock. Les amis, aujourd'hui du drama, du KVK, du négatif en ressources et évidemment du pari de Ligue Osiris. Mais avant de voir tout cela les amis, comme d'habitude, si ce n'est pas encore fait, bien évidemment, je vous invite à vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche pour être informé de toutes nouvelles vidéos. Et surtout les amis, n'hésitez pas à nous rejoindre sur le Discord de la chaîne, c'est ultra simple, c'est le premier lien en description de toutes les vidéos, vous l'avez aussi à droite sur l'overlay. Vous ne pouvez rien rater et vous n'avez aucune excuse pour ne pas retrouver tous les screens et toutes les infos contenues dans toutes les vidéos puisque c'est sur le Discord. Les amis, revenons d'abord tout de suite à la Ligue Osiris. Désolé pour le live d'hier. Malheureusement, j'ai eu un méga crash. Peut-être Kevin était là-dessous. Mais désolé, le live a crash. J'ai pas réussi à le relancer. Malgré tout, toutes mes excuses, on sera opérationnel pour dimanche prochain. Merci d'avoir été au rendez-vous hier et j'espère que vous serez là dimanche prochain, 14h ou 16h, on ne sait pas encore sur quel match. Je vous le dirai ça vendredi. Je vous le dirai ça, c'est pas français, je vous dirai ça vendredi. Regardons les résultats. Alors normalement, si vous avez suivi mes paris à la lettre, vous êtes bien, vous avez près de 50 000 auric, un peu plus, un peu moins, mais vous devriez avoir autour des 50 000. Donc, vous pouvez vider le store intégralement et garder une somme pour parier. Si on regarde les paris, les gros coups qu'on a fait, c'est simple, 61HX, les BG également, et les 60MX qui nous ont principalement blindés. Alors ça peut paraître beaucoup de rouge, mais au final, on est très positif, je vous rappelle. On a parié pour autour des 34 ou 35 000 auric, on a 50 000, ce qui fait qu'on a un gain autour des 15 000. Donc très propre, on va tenter de continuer comme ça et de se blinder avec quelques grosses surprises quand même qu'on aurait peut-être pu anticiper ou mettre une pièce. Si on regarde pour moi l'une des plus grosses, parce que les autres on avait parié quand même, les 60MX c'était très étonnant, les WIB aussi, la victoire des WIB, victoire très étonnante sur le V136 et large en plus, ils l'auront mis 8000 points d'avance, même 9000, je ne sais même pas compter, 9000 points d'avance, énorme sur leur match, très solide. On verra ça les amis vendredi. Regardons donc à présent les autres events qui ont pop. On a toujours la taverne légendaire avec 12 clés. Est-ce que j'en ai un peu plus que de 12? Regardez, je peux même en avoir 13. On va faire un petit tour gratuit et un petit tour à 10. J'espère avoir des étoiles. Les étoiles, c'est la vie. J'ai que ça, évidemment. J'espère ne pas avoir trop d'étoiles car c'est tout naze. Allez, donne-moi des trucs bien. Donne-moi des choses bien. Il m'a donné 3 sculptures. Vous le savez, 3 sculptures, c'est la base chaque fois. Qu'on en ouvre 10, si on en a 3, c'est normal. Plus de 3, c'est de la balle. Moins de 3, c'est tout naze. Bon, un tirage normal. Et pour le reste des événements, rien de particulier. À part le pop d'Empire Ottoman et le plus grand gouverneur. Évidemment, si vous pouvez participer au plus grand gouverneur et avez une place classée là dans tous les commandants, je vous conseillerais donc d'éviter, c'est sûr, Moctezuma, d'éviter Ouzetan. Allez sur Théodora si vous avez besoin de quelqu'un en défense. Soliman premier, évitez-le, il est tout naze. Prenez Bertrand aussi si vous voulez le nouveau commandant, mais il n'est pas ouf du tout Bertrand. Vous serez à mon avis un petit peu déçu si vous claquez de la sculpture là-dedans. Les amis, venons-en à présent à ce drama en cours. C'est assez hallucinant, le refund drama, le remboursement drama qui a été clos par Domia. Domia, c'est l'admin du Facebook, c'est l'un des admins du Discord, un gros joueur qui participe vraiment très activement à la communauté. Qu'est-ce que le drama du refund? C'est assez simple. Alors déjà, regardez son message qui date d'il y a 2 jours. Il dit qu'ils ont reçu un important nombre de posts sur les différents réseaux sur le refund scandale, le scandale, je ne sais même pas le traduire, le scandale du remboursement. Ce qui est important, c'est que tout pour la communauté, tout ça doit être adressé à Lilith via le support, c'est ce qu'il dit plus bas, et non pas servir de base pour régler des comptes. On a vu un très grand nombre de posts où certains accusaient d'autres joueurs, d'autres alliances, voire d'autres royaumes entiers de ne monter que grâce à ça. À quoi sert ce bug, ce drama? Qu'est-ce qui est la base de tout ça? C'est assez simple. Je vous en ai déjà parlé dans une vidéo précédente, les amis.
C'est très simple, regardez, si on se remet in-game et qu'on regarde, il suffit qu'un joueur achète un bundle, par exemple, il se place là, il achète un bundle puissant conquérant au bout du monde, par exemple, et il va aller faire une demande de refund via son store, donc son Google Play Store, ou son, donc son Android Store, ou son Apple Store, et il va demander à être remboursé. Il sera remboursé, il aura toujours les items en jeu, et il aura même pu les dépenser. Donc, qu'est-ce qui va se passer ? Lilith va récupérer les ressources. Il y a eu une grosse vague, apparemment, il y a eu une grosse vague de dénonciation, et Lilith a commencé à récupérer les ressources auprès de tout le monde. Mais ce n'est pas tout, Lilith va même plus loin ces derniers jours. Et regardez, un grand nombre de joueurs ont reçu ce mail in-game qui est assez hallucinant et assez flippant. Et je vais vous expliquer quelques petites bases pour ne pas vous faire avoir. Avertissement, arrêtez d'acquérir des ressources de façon anormale. Salutations gouverneur, nous avons récemment détecté des acquisitions de ressources anormalement importantes de votre part et avons pris la mesure de supprimer certaines de ces ressources. Si nous détectons d'autres acquisitions massives de ressources suspectes au cours de nos futurs contrôles, nous serons également contraints d'appliquer une pénalité à votre compte. Merci de garder cela à l'esprit et de veiller à respecter nos conditions d'utilisation. Si vous avez des questions, veuillez nous contacter en appuyant sur votre avatar dans le coin supérieur gauche, réglages, service client. Donc en fait, les joueurs qui ont reçu ce mail-là sont faits tout simplement supprimer des ressources du jeu, même s'ils n'ont pas utilisé le scam, je dirais, du refund, du remboursement, même s'ils n'ont pas acheté de bundle et demandé un remboursement. Le simple fait de s'être fait donner des ressources in-game peut leur valoir ce mail et le fait qu'ils perdent toutes ces ressources-là. C'est très simple. Pourquoi Lilith fait ça? Eh bien, parce qu'un grand nombre de joueurs auraient acheté des joueurs, des jeux, des rejoueurs, des ressources. Et donc là, ils sanctionnent tout le monde. Comment ne pas vous faire avoir par ce mail? C'est très simple. Comment continuer à vous transférer des ressources? Puisqu'un grand nombre d'entre vous, notamment sur le Discord ou directement in-game, m'ont demandé est-ce que je peux me faire bannir ou supprimer mes ressources si je les transfère depuis ma farm? C'est simple. Lorsque j'étais en contact très proche avec Lilith, je leur ai demandé une explication là-dessus. Elle m'a été apportée par la personne en charge des community managers, effectivement, et de ceux qui travaillent sur les vidéos YouTube. C'est très simple, il faut que vos comptes de farm soient actifs. Pour ça, il ne faut pas juste s'en servir pour transférer de ressources, mais ramasser les coffres, vider, faire 2-3 trucs avec régulièrement. Si les comptes sont un minimum actifs et ne paraissent pas être juste des bots à farm, eh bien, il n'y aura jamais de soucis. Je vous le rappelle, j'ai 3 comptes de farm. Moi-même, Kevin, pour le citer comme exemple, a 12 comptes de farm. Francis, un autre modérateur du Discord, en a 5 également. Eh bien, jamais de problème, jamais ce genre de mail. Donc vraiment, il faut que vos comptes soient un minimum actifs. Sauf si Lilith a changé les règles. Mais jusqu'à présent, ça a toujours préservé et c'était l'info, encore une fois, obtenue de manière officielle, je dirais, par Lilith. Continuons dans les infos officielles avant de partir sur le KVK du moment. Et vous allez voir, Lilith continue à faire quand même n'importe quoi. Rappelez-vous, lors d'inscription au KVK, je vous avais dit que c'est bien beau de sortir un nouveau KVK, conquête du désert, mais ça sera encore mieux de patcher le marché des âges et qu'ils arrêtent de sortir des KVK buggés puisqu'on ne pouvait même plus s'y inscrire. Eh bien, regardez, un certain nombre de joueurs ont reçu ce mail-là qui leur disait « Problème d'inscription saison de conquête ». En raison d'une erreur de serveur, l'inscription à l'événement saison de conquête qui commençait à minuit le 7 février a été perturbée. Le test en accès anticipé était en activé. C'est tendu ce matin, a été accidentellement activé pour le scénario conquête du désert. Donc là, les mecs sont en train de dire que juste, c'est une erreur, ils ont mis en accès la conquête du désert, mais ils ne voulaient pas le faire en fait. C'est vraiment un problème de Kevin. Vous allez aller voir comment c'est du gros mytho, tout ça, je vais vous montrer. Les royaumes qui s'étaient inscrits pour ce scénario de conquête du désert devront sélectionner un nouveau scénario pour s'inscrire. Afin de ne pas affecter votre expérience de jeu, la période d'inscription de cette saison de conquête a été prolongée jusqu'au 11 février. Super. Et donc regardez, ils ont reçu ça en compensation. 200 gemmes, un accélérateur de 3 heures et 3 clés de cristal. Super Lilith. Eh bien, regardez pourquoi tout ça, c'est des gros mythos. Et c'est juste du bug et les mecs ne savaient pas gérer. Encore une fois, ils se sont précipités pour sortir un nouveau KVK. Regardez,
Si je dézoome et que je vais aller voir les KVK en cours, liste des royaumes perdus, je vais en conquête du désert, eh bien, il y en a bien, il y en a 5. Hein. Il y en a 5 avec 8 royaumes dans le premier. Regardez, si on fait le cumul, 8 dans le premier. Il a commencé il y a 5 jours, 6h42 minutes et 6 secondes. Donc, 8 royaumes dans le premier. On en a 2, 4, 6, 12 dans le second. Ça fait 20. Ensuite, dans celui d'après, on en a 7. Ça fait 27. Hein, 20 et 7, hein, la bosse des maths. Hein. 2, 4, 6, on en a encore 12. Ça fait 39. Et pour finir sur le dernier, on a 2, 4, 6, 8, 10. On en a 20. Donc, au final, on en a un tout petit peu moins de 60. À mon avis, il y a eu une erreur. Vous vous rappelez, quand ils ont fait l'inscription, c'était limité à 60 royaumes. Il y a dû avoir une petite erreur de manip hein, qui fait qu'il y a eu plus de 60 royaumes qui se sont inscrits. Et donc, les mecs, ils étaient bien emmerdés. Ils ne savaient pas comment sortir de là. Du coup, ils ont dit, bon, on va shooter des royaumes. Tout simplement, on les dégage hein, et on le lance pour les autres. C'est pas pro du tout, c'est pas clean du tout pour la communauté. Et en plus, ne pas donner une vraie raison, dire genre ça s'est déclenché par erreur, c'est clairement abusé de mon point de vue. Retournons donc sur les autres KVK et surtout sur le méga, méga KVK qui vient de pop. Évidemment, il s'agit comme d'habitude d'un KVK avec le 1846. Ce KVK est tout bonnement énorme. Alors, je ne peux pas vous le montrer en passant directement par le vrai le listing des royaumes perdus, mais j'ai ce screen hein, qui correspond à la répartition et vous pouvez voir comme c'est assez énormissime, les amis. Hein, on a un méga fight entre le 1093, le 1846, le 2000, le 1671 et le 2001 qui sont Imperium et le 1916 qui ne l'est plus. Regardez cette répartition. Assez hallucinante, on a le 1846 qui est tout seul en haut à gauche, alors jusqu'ici tout semblerait normal, mais le 1671 qui se retrouve avec le 2001, alors là c'est assez what the fuck, c'est assez n'importe quoi, comment le 1671 peut se retrouver avec le 2001? Moi-même, je ne comprends pas cette répartition, surtout à 2 contre le 1846. Hein, n'oubliez pas, ils sont en haut à droite, donc ils auront directement une zone de fight. En bas à droite de l'autre côté, on a le 1916 et le 2000 ensemble. Alors là, encore une fois, c'est n'importe quoi, le 2000 très actif. Le 1916, un petit peu moins, ils ont chuté avec leur récente migration, mais quand même, ça reste un gros royaume. Et le 1093 en bas à gauche. Ce qu'il se dit pour le moment, c'est que le 1093 veut affronter le 1846, mais n'oubliez pas, si j'ai bonne mémoire, ils étaient alliés lors du précédent KVK, donc on va voir s'ils sont encore alliés. Donc on pourra avoir un côté gauche, donc le rouge, les 1846 et le 1093, hein, qui serait contre le 1671, le 2001 et le, en dessous le 1916 et le 2000. Donc on aura un 4 versus 2 ou on peut avoir un 5 versus 1. Tout le monde contre le 1846. On va voir, la diplo vient de commencer. Ce qui est certain à ce stade-là, c'est qu'aucune alliance est faite et ça va être très très chaud pour le 1846. Mais encore une fois, hein, le 1846 est très puissant. Est-ce qu'ils peuvent tenir les deux flancs? Le 1093 a tout de même un gros avantage, c'est qu'en termes de stratégie de KVK, ils sont ultra puissants. On a vu comment ils ont totalement bloqué le 1254 de Bunny lors du dernier KVK. Et en face, le 2001 et le 1671, deux impériums ensemble contre le 1846. Hein. Le 2001 est un royaume énormissime, extrêmement actif. Vraiment, ça va être le KVK à suivre du moment, les amis. J'espère en tout cas qu'on pourra rapidement avoir des screens et des vidéos, car comme ils sont à achat en Heroic Anthem, ils vont être sous brume et donc on ne pourra pas immédiatement, dès l'ouverture, dès les 4 jours, hein, dès les premières ouvertures de porte, aller voir ce qui se passe. Mais je vais vous récupérer des informations, comptez sur moi. A few moments later. On va finir, les amis, en parlant de KVK saison 2 avec une bizarrerie que je ne m'explique pas. Si vous êtes sur ces KVK, n'hésitez pas à me donner plus d'infos, regardez en saison 2 ce qu'il se passe. A-t-on une stagnation des niveaux? Regardez, c'est très simple.
Nous avons actuellement 8 KVK en saison 2, hein, 7 même, j'en ai donné un, c'est gratuit, c'est pour moi. Et regardez tous ces KVK. Si on regarde, aucun KVK n'a d'Imperium de saison 2, excepté le S2-1049 qui en a deux. On va aller voir ce KVK tout de suite après, hein. Sinon tous les autres ont des royaumes qui ne sont pas classés dans l'Imperium de saison 2, sauf le dernier qui est sur sa fin, où il y en a 6, ce qu'il veut dire, où il y en a 5. Ce qui veut dire qu'on a 5 royaumes qui sont restés à leur statut plus fort royaume de saison 2 en KVK alors qu'ils ont fini leur KVK. Je vous le rappelle, l'Imperium de niveau de saison 2, c'est les 8 plus forts royaumes qui sont actuellement en saison 2. Donc très étonnant, si on exclut donc ce KVK qui est terminé, les autres royaumes n'ont pas en puissance réussi à monter suffisamment vite pour acquérir le statut d'Imperium et passer devant les autres qui doivent avoir des wagons entiers de morts et donc de perte de puissance. On va donc aller s'intéresser au S2-1049. Il est actuellement à 16 jours, 6h52 minutes et 5 secondes. On a deux royaumes Imperium, le 2402 qui est le plus puissant des royaumes présents sur ce KVK. Il se trouve en haut à gauche. Et le 2398, hein, qui est donc le deuxième plus puissant et qui est en bas à droite. Je vous le rappelle, hein, le placement en 1, c'est le plus puissant. En 5, c'est le deuxième plus puissant. C'est toujours comme ça que fonctionne Lilith dans le placement des KVK saison 2. Donc, à 16 jours, on a quand même eu des ouvertures de portes. On va pouvoir voir les alliances et voir ce qui se passe. Ça fait longtemps qu'on n'a pas été sur un KVK de saison 2. Regardons un petit peu. Donc, le favori, hein, déjà en haut à gauche, hein, est sorti et descendu sur sa zone. Il a complètement pris la zone Zarat. On est sur un ancien KVK. Quand je dis un ancien, une ancienne map, ils ont pris toute la zone Zarat. Hein, ils l'ont divisé avec leur allié. Il a eu raison d'être allié avec eux, le bleu, parce que normalement, il est moins puissant. De l'autre côté, on pourrait croire ici qu'ils ne sont pas alliés et que ça brûle. Mais si, ils sont alliés et ça ne brûle pas. Donc déjà, on a le plus puissant, le violet, il est avec le bleu, il est avec le vert et il est avec le cyan. Les mecs sont... Déjà, le vert, il sort d'où? J'aimerais bien savoir d'où sort le vert. Il sort d'où, le vert? Il a déjà... Ah, il sort de là, Shmiro. Donc, ils sont tous les quatre ensemble. Hein. On a le royaume 1, 2 en Clarence, 3 en Wedgie et 4 en Leverkusen qui sont ensemble. Donc, forcément... Normalement, les quatre autres sont contre eux. Donc, de l'autre côté, le vert est bien évidemment bloqué par le rose, le deuxième plus puissant. Il est aussi avec le jaune, avec le rouge et avec l'orange. Donc, on a deux blocs, on a un KVK bien réparti. Au niveau des puissances, pour vous montrer normalement que c'est les deux royaumes les plus puissants, on regarde qui tient la forteresse croisée. De ce côté-là, c'est les 98 X1 qui sont à 9 milliards 8, pratiquement 10 milliards de puissance. De l'autre côté, est-ce qu'on a une méga alliance pareille ou est-ce qu'on a plusieurs petites alliances, hein? On regarde tout de suite qui a la forteresse, les 2 TR, 9 milliards 100, ce qui veut dire soit ils ont perdu plus de puissance et donc ils sont passés en dessous parce que les combats étaient plus durs, mais ça n'a pas l'air quand même, soit ils ont plus d'alliances de haut niveau. Donc ces deux alliances-là, ces deux royaumes-là sont les plus puissants. Normalement, le troisième plus puissant est placé ici, hein, 6 milliards 9, donc vous voyez, ça chute quand même pas mal. De l'autre côté, dans l'autre diagonale, on a aussi de la puissance, on est à 8 milliards 4, mais on est quand même un niveau inférieur aux deux coins. Retenez bien ce placement, vous me le demandez souvent, en haut à gauche le plus puissant, en saison 2, en bas à droite le second plus puissant, 8 milliards 3 pour celui qui est là. Si je vous donnais l'ordre, c'est le plus puissant, il est ici, 1 en haut à gauche, le 2 en bas à droite, le 3 en haut à droite, le 4e plus puissant en bas à gauche. Et ensuite, ça tourne dans les aiguilles d'une montre en partant de celui qui est en Clarence, qui est ici. Je dis bien normalement parce que les fluctuations de puissance sont quand même fortes. Donc, excepté le royaume à 6 milliards 9, les autres ont tous au moins une alliance à 8 milliards, donc c'est normal, c'est plutôt équilibré comme KVK. On va voir ce que ça va donner, 7 milliards 9 et le dernier. Normalement, en théorie, c'est lui le moins puissant, celui qui est en scellant le moins puissant, en top 300 bien évidemment, 4 milliards 4. Vous le voyez, je vous l'avais dit, il n'y a pas de surprise. Alors ce KVK, le S2-1049, bien évidemment, on va le suivre. On attend les prochaines ouvertures de portes. Pour le moment, il y a un statu quo. Si je ne dis pas de bêtises, ça devrait être dans 6 jours. Donc dans une semaine, on aura la suite de ce KVK, des futures
gros royaumes hein, qui vont normalement se terminer juste avant le gros patch des migrations. Et peut-être ils vont pouvoir recevoir donc des migrants avec les anciennes règles. Voilà, écoutez les amis, c'est tout pour cette vidéo en ce lundi. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas les amis, comme d'habitude, n'hésitez pas à lâcher un colossal pouce bleu. Vous le savez les amis, ça aide énormément le développement de la chaîne. Et surtout, ça me fait vraiment très plaisir les amis. Si ce n'est pas encore fait, qu'attendez-vous pour vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche pour être informé de toutes nouvelles vidéos. Je vous souhaite un bon jeu à tous, une excellente semaine à tous les amis. Prenez soin de vous, faites bien attention à vous et je vous dis à plus sur Rock.